Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est évidemment avec pas mal d'émotions qu'on ouvre cette 30e édition des Boréales. 30 ans, c'est un anniversaire assez colossal pour un festival. C'était naturel de l'ouvrir ici, puisque historiquement, la région a suivi les initiatives du festival dès le principe, c'est-à-dire 1992. Et puis régulièrement, nous avons ouvert le festival ici à l'Abbaye aux Dames. Donc c'est un bonheur d'être ici de nouveau pour ce débat qui nous semblait absolument fondamental, pour ce 30e festival qu'on a imaginé depuis presque 3 ans avec les autorités suédoises, et puis plus précisément depuis 18 mois, donc 18 mois bien avant le conflit en Ukraine. Il nous a semblé dès le mois de février qu'il était absolument indispensable de parler de l'avenir démocratique demain en Europe, de la continuité de nos actions, de notre capacité demain à faire un festival, à inviter des artistes, à mobiliser des œuvres, à vous faire voyager pendant le temps du festival de façon immobile, et puis de vous voir tous, spectateurs du festival, aller régulièrement dans les pays nordiques et dans les pays baltiques. Ce débat, on l'a imaginé en étroite collaboration avec nos amis et partenaires de Normandie pour la paix, qui sont des partenaires précieux, fiables et tout à fait pertinents. Donc je les remercie sincèrement ici, et je ne vais pas être très long. Je vais vous dire que le festival va commencer pour sa partie artistique demain jusqu'au 20 novembre. Vous avez toutes et tous trouvé le programme à l'entrée. Merci de votre fidélité à cette manifestation qui nous occupe beaucoup, que l'on aime beaucoup. Et on croit que les valeurs des pays du Nord et les valeurs que partagent les pays baltes sont des boussoles pour nous tous demain. Et voilà, on est vraiment très, très heureux de ce débat. Donc merci à Normandie pour la paix, merci à la région Normandie. Je ne vais pas m'étaler plus sur les remerciements puisque ça sera fait bien mieux que moi dans les temps qui viennent. Mais voilà, je salue quand même tout un tas de visages qui sont des spectateurs fidèles du festival. Je vois aussi les représentants de l'État ici ce soir, des villes partenaires très impliquées dans le festival comme Hérouville. Donc voilà, je ne veux pas m'étaler plus et oublier des gens, mais merci vraiment pour votre présence, parce que ça signifie beaucoup de voir l'intérêt citoyen qu'il y a pour ces questions de géopolitique et de démocratie. Voilà, je pense que c'est un gage pour notre avenir commun. Donc, on va regarder quelques minutes le teaser de Normandie pour la paix, cette édition qui vient de se terminer, et je reprendrai la parole juste après. Le mur coupe, ce qui permet aux humains de se comprendre entre eux. Qu'aucun mur n'est infranchissable. Aucun mur, même celui qu'on avait cru le plus éternel. C'est la démocratie qui est le plus grand protecteur de la paix. Parce qu'en vérité, quand on a de la démocratie, c'est le peuple qui, au bout du compte, décide de son avenir. J'ai assisté au concert aussi qui était très chouette. J'ai eu le temps de voir toutes les expos un peu sur le site entre midi et deux. Et là, je ressors de la conférence sur la Russie et l'Ukraine qui était très intéressante. On est venu ici aussi pour le côté familial. C'est vrai qu'il y a des conférences pour les adultes, mais on aime bien cette approche également pour les enfants. Et ce qu'on apprécie aussi, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Sur le thème de la paix, c'est vrai que c'était intéressant, et puis ça laisse libre cours à l'imagination des enfants.
plus attendre, j'invite Sophie Gauguin, première vice-présidente de la région Normandie, à venir nous rejoindre. Merci, monsieur le directeur, mesdames et messieurs qui nous faites l'honneur de venir participer à cette conférence, monsieur le président du festival Les Boréales, chers élus cannais, monsieur le préfet, merci pour votre présence avec nous, messieurs les ambassadeurs, merci d'être à nos côtés ce soir, ainsi que les représentants des ambassades amies des pays nordiques et pays baltes, puisque, chers amis, amoureux de la Normandie, de nos coopérations culturelles, patrimoniales et historiques, nous avons la chance, peut-être pas non plus, dans ce contexte de grande fragilité de la paix, mais en tout cas la capacité, ici à Caen ce soir, à l'abbaye aux Dames, de pouvoir continuer l'ensemble des travaux et des valeurs que nous portons en ayant bâti Normandie pour la paix, une nouvelle façon de pouvoir aborder collectivement les questions de développement durable, de paix dans le monde, les stratégies géopolitiques, les enjeux de sécurité défense. Et ce soir, je voudrais remercier, messieurs les ambassadeurs, votre présence, la façon dont, de façon totalement libre et éclairée, vous pourrez ce soir débattre avec nous dans la continuité des échanges que nous avons eus à Normandie pour la paix avec l'ambassadeur d'Ukraine, de débattre sur les questions de paix imminente, de fragilité stratégique, de stratégie commune que vous bâtissez, entre vous et que nous bâtissons aussi en Europe, mais qui font écho à des enjeux beaucoup plus larges, puisque le conflit que nous connaissons malheureusement tous aujourd'hui, peut arriver n'importe où, de n'importe quelle façon, puisqu'on le voit bien, la stratégie qui a été mise en place par la Russie peut faire écho à notre histoire commune passée et à ce qui pourrait advenir ailleurs. Et donc, ce soir, en représentant le président de région Hervé Morin et l'ensemble des Normands et des Normandes, c'est une manière de repartager ensemble ce qui constitue un ADN commun. Aucune de nos familles n'a été épargnée dans les questions de guerre, dans un passé récent qui nous marque encore. Aucun de nos territoires n'a été non plus épargné par les questions de guerre, la façon dont nous avons pu le vivre les uns et les autres, la façon dont on transmet un devoir de mémoire en région Normandie, et que la Normandie est une terre ouverte de discussions diplomatiques. Vous le savez, nous hébergeons l'Institut des droits de l'homme. Nous nous sommes construits dans un ADN de relations européennes et internationales qui nous ont encore marqués ces derniers temps, c'est ce que je partageais avec messieurs les ambassadeurs, au travers les questions de Brexit et les décisions dont les impacts dont des décisions unilatérales peuvent venir impacter des relations internationales, quelle que soit leur nature, et que plus nous pourrons échanger les uns et les autres de façon très ouverte sur ces questions, amener toute une jeunesse, je suis particulièrement heureuse de voir cette vidéo, à cultiver son libre arbitre, sa propre analyse à l'heure des masses médias, nous sommes dans le rôle d'une collectivité territoriale ouverte sur le monde. La région Normandie, par son histoire, sa construction, est une région monde. Alors, cette conférence sur l'avenir et les perspectives pour une unité de défense sera ce soir animée. Je vous remercie, madame. Vous êtes enseignant en matière de recherche sur ces questions-là. Vous êtes aussi chef du bureau des armées. Et donc, votre éclairage et la manière dont vous permettrez à l'ensemble des participants de s'exprimer sera pour nous aussi très important, puisque l'initiative du forum
encore une fois, a vocation à être de plus en plus partagée à l'occasion de festivals culturels. Vraiment, je voudrais remercier le président et la direction et tous les bénévoles du Festival des Boréales, parce que vous fêtez aujourd'hui ce 30e anniversaire de partenariat. Vous avez à cœur, je le sais, de continuer à renforcer par la présence régulière des ambassadeurs des pays baltes et nordiques, et bien des relations fortes au travers le temps. Donc, je voulais vous redire notre engagement sur cette question, le sérieux qui nous anime aussi, mais tout l'accueil chaleureux qui est le nôtre aujourd'hui, parce que je crois que nous n'avons jamais eu autant besoin d'humanité, de partage et de stratégie partagée. Donc, longue vie au Boréal, à nos coopérations, messieurs, au renforcement de nos liens historiques, et merci au public d'être présent dans cette ambiance tout à fait solennelle aussi, compte tenu des enjeux. Merci beaucoup. Peut-être en une minute très très courte, le teaser de ces 30e Boréales. J'invite à présent Patrick Nicole, président de Normandie Livre et Lecture, qui assure l'organisation du Festival Les Boréales, également élu à la ville de Caen, partenaire essentiel de ce festival. Merci Jérôme, bonsoir. Monsieur le Préfet, messieurs les ambassadeurs, madame la première vice-présidente de la région Normandie représentant Hervé Morin, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Oui, nous sommes arrivés au 30e anniversaire du festival Les Boréales. 30 ans de Boréales, avec cette année un pays qui nous est cher comme invité d'honneur, monsieur l'ambassadeur, la Suède. La Suède qui a une relation ancienne avec la ville de Caen et la Normandie. Cette soirée qui commence avec un tout petit peu de retard, et je m'en excuse parce que ce n'est pas la faute des ambassadeurs des pays nordiques et baltiques qui, eux, sont toujours à l'heure. C'est la faute des Français, dont je suis. Bon, donc excusez-nous. Oui, ce 30e anniversaire des Boréales, cette soirée en particulier qui inaugure ce 30e anniversaire, est un écho magnifique, je trouve, j'en parlais tout à l'heure avec Sophie Gauguin, au Forum Normandie pour la paix, qui recevait en effet en septembre l'ambassadeur d'Ukraine. Et ce soir, nous recevons 5 ambassadeurs des pays nordiques et baltiques pour parler du risque de déstabilisation lié à la guerre en Ukraine, elle-même fruit du réveil de l'impérialisme russe. Je voudrais faire un petit rappel de la relation que nous avons avec Normandie pour la paix, nous, Boréales, organisée, comme l'a dit Jérôme, par Normandie Livre et Lecture. Depuis 2018, nous avons eu 3 temps importants. En 2018, ça a commencé par la venue à Caen de Barbara Hendricks, la grande soprane Barbara Hendricks, non pas, vous ne l'avez pas invitée parce qu'elle était une soprane de niveau international, mais parce qu'elle était ambassadrice des Nations Unies pour la paix. Ensuite, nous avons reçu, il y a eu l'arrêt dû au Covid, donc nous avons reçu l'année dernière Sarah Omar, merveilleuse écrivain, qui a écrit notamment un livre que je vous conseil qui s'appelle « La laveuse de mort » paru chez Actes Sud. Et ce soir, nous avons une table ronde avec 5 ambassadeurs des pays nordiques et baltiques que je citerai tout à l'heure. Mais il appartient toujours au président de faire des remerciements. Donc je vais me plier à la chose
et remercier d'abord, bien évidemment, la région Normandie qui nous accueille ce soir, et je ne la remercierai jamais assez, et l'État qui sont nos deux principaux financeurs à Normandie Livre et Lecture. Je remercie bien évidemment les représentations diplomatiques de tous les pays nordiques et baltiques, car ils ne sont pas tous là ce soir, qui nous soutiennent vraiment ardemment depuis toujours. Je remercie les services de la région avec lesquels nous avons travaillé pour organiser cette soirée, et je remercie aussi le cabinet d'Hervé Morin avec lequel j'ai pu travailler directement et qui a pu décoincer quelques petites choses, et c'était tout à fait important pour nous. Je remercie bien sûr l'équipe des Boréales, pilotée par Jérôme Rémy, avec ses amis, nos amis Rémy et Lara, qui sont, j'ai vu Rémy, j'ai pas vu Lara, mais je sais qu'elle est là, et tous ceux qui travaillent bénévolement pour les Boréales depuis toujours, je les remercie vraiment du fond du cœur. Je remercie notre public fidèle qui est là ce soir, encore merci mille fois, mais qui sera, je suis persuadé, présent à tous nos spectacles, à notre week-end littéraire, ce week-end, avec une affiche à faire pâlir d'envie les plus beaux week-ends, les plus beaux festivals littéraires du monde. Et je remercie bien évidemment, j'aurais dû commencer par eux, mais je termine par eux, les 5 ambassadeurs qui ont répondu sans attendre et très vite à notre invitation, qui remonte à plusieurs mois, Jérôme. Et puisque je préside Normandie Livre et Lecture, qui est l'agence régionale du livre, je voudrais pour terminer faire allusion à un livre très éclairant sur Vladimir Poutine, puisque on est amené à parler de Vladimir Poutine ce soir. Ce livre s'intitule « Le mage du Kremlin ». C'est un livre de Giuliano D'Empoli qui a obtenu le Grand Prix de l'Académie française, qui aurait dû obtenir, à mon sens, le prix Goncourt. Livre qui, sous forme romancée, analyse finement, très finement, la dérive autoritaire du tsar Vladimir Poutine, petit fonctionnaire du FSB parvenu au sommet de l'État, sans avoir évidemment la culture politique nécessaire. Vraiment, lisez ce livre, c'est un petit chef-d'œuvre. Je n'en dirai pas davantage, parce que nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Donc, place au débat avec nos 5 ambassadeurs que je vais citer et leur demander de venir s'asseoir sur scène. Je vais commencer par Son Excellence Monsieur Lembit Uibo, ambassadeur de la République d'Estonie en France. Monsieur l'ambassadeur. Je continue avec Son Excellence Monsieur Matti Antonen, ambassadeur de la République de Finlande en France. Puis ce sera le tour de Son Excellence Monsieur Edward Tsipras, ambassadeur de la République de Lettonie en France. J'appelle ensuite Son Excellence Monsieur Nerijus Aleksiūnas, ambassadeur de la République de Lituanie en France, cher Nerijus. Et je termine par notre invité d'honneur, Son Excellence l'ambassadeur du Royaume de Suède en France, Monsieur Håkon Håkesson. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La table ronde ne serait pas complète sans la présence de Céline Bayou, que je remercie également. Sophie l'a dit tout à l'heure, Céline Bayou, enseignante-chercheure, dont l'expertise est bien connue en ce qui concerne notamment le monde baltique, mais pas seulement. Je vous laisse, Madame Bayou, arriver à la table pour être l'animatrice et, si nécessaire, la modératrice. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, ouais. Merci beaucoup, merci de cette invitation, de cet accueil et puis de l'honneur qui m'est fait d'animer cette table ronde et voilà, je suis extrêmement impressionnée et puis merci à vous pour cette présence qui m'impressionne aussi beaucoup dans la salle. Alors quelques petits mots sur
La thématique qui a été retenue sur donc avenir et perspectives pour une unité démocratique en Europe, où on est vraiment évidemment en pleine actualité. Et du coup, en préparant ce débat, je ne vais pas être très longue, mais je voulais quand même. Je me suis un petit peu interrogée en fait sur unité démocratique par rapport à la région nordico-balte. En fait, qu'est-ce qu'on voulait dire ou qu'est-ce qu'on voulait essayer de vous faire dire et à quoi on essaye de vous amener. Et du coup, en m'interrogeant et en préparant cette conférence, je me disais finalement ce qui me paraît intéressant sur cette zone et sur ce que l'agression de la Russie contre l'Ukraine peut provoquer. En déflagration, et on voit bien que les déflagrations sont à la fois multiples et à de multiples échelles. En fait, il y avait deux choses qui me sont venues en tête. C'est évidemment la question de la sécurité. Qu'est-ce que ça soulève comme question de sécurité pour la région nordico-balte? Et puis les questions d'unité, c'est-à-dire cette fameuse unité occidentale, européenne, qu'en est-il dans cette région et à un moment, je crois, qui est crucial, puisqu'on s'interroge quand même pas mal en ce moment sur le devenir de cette unité, et les militaires américains nous préoccupent aussi beaucoup. Alors, sur la question de la sécurité, je pense que l'un des échos, mais les ambassadeurs me contrediront peut-être, ou voilà, ce sera intéressant d'avoir votre avis. Il me semble que l'un des échos, c'est on est quand même sur une région qui a toujours été extrêmement stratégique et qui, si on revient à la période de la guerre froide, pour moi, j'ai toujours coutume de dire que la mer Baltique était un morceau du mur, en fait, entre Est et Ouest. Et cette configuration qu'on avait dans la région me semble très intéressante parce qu'on avait des pays qui étaient donc soviétiques ou sous emprise soviétique pour les Baltes, des pays qui étaient dans le camp socialiste, c'est-à-dire membres du pacte de Varsovie, je pense à la Pologne ou à la RDA, et puis des pays qui étaient membres de l'OTAN de l'autre côté, la RFA, la Norvège, etc., le Danemark, et puis des pays qui étaient neutres. Alors on pourrait discuter de la neutralité de la Finlande et de la Suède, mais pour aller vite, parce que grosso modo, des pays qui étaient neutres, c'est-à-dire qui n'étaient ni dans un système ni dans l'autre. Et ce que j'ai toujours trouvé fascinant sur cette région pendant la période de guerre froide, c'est que finalement, on avait ce qu'on appelait un équilibre nordique, et que cet équilibre reposait sur le fait que personne ne bouge. Et on savait pertinemment que si un pays bougeait, l'équilibre était rompu, et ça pouvait compliquer grandement les choses, me semble-t-il, et je pense évidemment à la Suède et à la Finlande. Le mouvement, il n'est pas venu de la Suède et de la Finlande au départ, il est venu de l'effondrement de l'URSS et de la fin du pacte de Varsovie, et où, du coup, équilibre rompu, on rentre dans une période, début des années 90, finalement, de déséquilibre qui aurait pu être une période angoissante, mais qui, finalement, ne l'a pas été tant que ça, puisqu'on a eu beaucoup d'espoir, à ce moment-là, de voir une Russie se pacifier, se démocratiser, ne plus avoir à être perçue comme une menace. Et on a un nouvel équilibre qui s'est créé, petit à petit, avec des mouvements finalement dans cette tectonique aussi qui sont assez intéressants, puisque les Baltes, la Pologne, les Baltes ont rejoint l'OTAN en particulier et l'UE aussi, et qu'on aurait pu s'attendre, et d'ailleurs l'OTAN l'avait anticipé et s'en inquiétait, on aurait pu attendre une réaction de la Russie, qui n'est pas venue, contre toute attente, ou peut-être pas contre toute attente, vous me direz comment vous percevez les choses. Or, ce qui provoque aujourd'hui la guerre, enfin ce qui a suscité la décision de Poutine de lancer cette guerre contre l'Ukraine, alors si on laisse tomber son histoire de dénazifier, on ne sait pas trop quoi, c'est l'OTAN. Enfin, c'est l'une des angoisses de Vladimir Poutine, c'est l'élargissement de l'OTAN et c'est la poursuite de cet élargissement. Alors on entend bien que la relation de la Russie à l'Ukraine n'a rien à voir avec la relation de la Russie avec l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, mais néanmoins ça fait écho. Et quand on voit aujourd'hui que la Finlande et la Suède sont candidats à l'adhésion, forcément on est amené à se poser la question de quelle réaction? Que faut-il attendre? Alors pour le moment, je crois qu'on ne voit pas de réaction. Je pense que la Russie est largement occupée ailleurs. Mais ça peut quand même poser un certain nombre de questions et je pense qu'on pourra évoquer tout ça. La deuxième chose, c'est l'unité. Donc l'unité de l'Europe, qui a été quand même assez peut-être étonnante, je pense même pour les Européens, c'est que finalement, face à cette agression de la Russie, on s'est trouvé avec une grande unité et même transatlantique, grosso modo, même si c'est compliqué, qu'il peut y avoir des débats sur qui aide le plus l'Ukraine, ceux qui aident beaucoup, ceux qui aident moins, etc. Mais quand même, grosso modo, on oppose à l'agression de la Russie une unité
est formidable. Et ce qui m'intéresserait aussi peut-être aujourd'hui, c'est de voir un petit peu ce qu'il en est à un moment où on s'angoisse sur la suite, sur l'espace nordique, nordico-balte, ou baltico-nordique, je ne sais jamais comment, comment le présenter. De voir, est-ce que finalement le maintien de cette unité peut aussi venir de cette région parce qu'il y a une culture de paix, parce qu'il y a aussi, je pense, dans l'ADN de cette région quelque chose, et je pense aussi, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, mais cette histoire de la Ligue hanséatique, c'est-à-dire si je reviens aux années 90, début des années 2000, au moment où on revient sur une Mare Nostrum, c'est-à-dire c'est la fin du mur, donc du coup tout le monde se retrouve ensemble, et on a eu cet espoir de créer un espace de paix, de commerce, de fraternité. On a beaucoup reparlé de la Ligue hanséatique, et j'y pensais ces jours-ci par rapport à ce débat qu'on commence à avoir sur le fameux doux commerce qu'on aurait peut-être voulu avoir entre Russie et Europe pour effacer justement les dissensions ou les agressivités, et où on est obligé ces jours-ci de reconnaître, ou depuis quelques mois, que le doux commerce avec la Russie, ça n'a pas fonctionné, et qu'en tout cas, ça n'a pas été suffisant pour convaincre Poutine de ne pas renoncer à ça. Parce que si on réfléchit aussi aux conséquences de cette guerre pour la Russie, en termes économiques, elles sont énormes. Et donc, ça veut dire qu'il a fait le choix d'autre chose, et de sacrifier les bénéfices de ce doux commerce pour autre chose. Donc là aussi, ça me renvoie à la région baltique, au sens large, et à cette idée justement du commerce faiseur de paix, où je pense qu'il y a quelque chose d'assez ancré, me semble-t-il, dans cette région à cet égard. Voilà, je vais pas prendre plus de temps. En fait, ma première question, puisque je pense qu'on va fonctionner peut-être par question, Excellence, elle sera évidemment pour vous, parce que d'abord, votre pays est à l'honneur cette année, c'est la Suède. Et puis, parce que forcément, je me tourne vers vous par rapport à cette question d'adhésion à l'OTAN, c'est-à-dire... votre candidature et monsieur l'ambassadeur aussi, celle de la Finlande, comment envisagez-vous les choses? Alors, on voit aussi les difficultés, c'est-à-dire les négociations avec la Turquie, en particulier, parce que c'est peut-être la Turquie qui nous inquiète plus que le blocage de la Hongrie. Comment envisagez-vous la suite? Comment envisagez-vous la réaction russe, avec ce paradoxe qu'on a d'une Russie qui lance une guerre parce qu'elle ne veut pas voir l'OTAN s'élargir, et qui donc obtient le contraire, c'est-à-dire que l'OTAN s'élargit encore plus, et cette bascule de la Suède sur cette décision extrêmement rapide et assez inattendue, puisque quelques mois auparavant, on n'envisageait pas, et je ne crois pas que votre pays envisageait cette bascule-là, ni l'opinion publique. Et donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur justement cette bascule, cette décision si rapide et si radicale, comment est-elle vécue par la population, par la classe politique? On sait qu'il y a eu des élections en Suède récemment et que la donne a un peu changé. Quels sont les débats aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup. Et bonsoir tout d'abord à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici. Oui, c'est vrai. L'invasion russe en Ukraine a complètement changé la situation sécuritaire de toute l'Europe, mais peut-être surtout du Nord. Et je pense que je voudrais commencer par saluer le peuple ukrainien qui se bat tous les jours, et non seulement pour leur propre paix, pour leur liberté, pour leurs valeurs, mais pour les valeurs de nous tous. Et donc, il est crucial de continuer à les aider et renforcer, en fait, ce soutien. Alors, cette nouvelle situation, il a fallu que nous repensions notre politique de sécurité. Je pense que cela a déjà été mentionné. Vous savez probablement que la Suède était neutre depuis 200 ans, grâce d'ailleurs à un Français, le maréchal Jean-Baptiste Bernadotte, qui est devenu roi de Suède au début du 19e siècle. Et c'est lui qui a inventé pour garder la paix en Suède cette politique de neutralité. Alors, quand nous sommes
adhéré, quand nous avons adhéré à l'Union européenne au milieu des années 90, on a successivement abandonné cette politique de neutralité, mais on a gardé notre politique de non-alignement militaire. Et il y a un an, on pensait que c'était la réponse, c'était ça qui amenait la stabilité dans le nord de l'Europe. Et la majorité des Suédois étaient contre une adhésion à l'OTAN. Et puis, le 24 février est arrivé. Et c'est intéressant, mais quand la situation est vraiment grave, les gens, nous tous, ont aussi tendance de penser autrement. Et c'est ce qui s'est passé en Suède. Et assez vite, on a eu une majorité pour une adhésion à l'OTAN. Alors, pourquoi ? On avait déjà des partenariats très, très étroits avec l'OTAN, avec le Royaume-Uni, avec la France, les États-Unis, etc., en matière de défense. Mais il n'y avait pas cette garantie que fournit l'acte ou le traité de l'Atlantique Nord, ce fameux article 5 qui donne une sécurité de protection. Et nous nous sommes rendus compte qu'il fallait avoir cette garantie. Ce partenariat n'était pas suffisant. Et donc, avec la Finlande, parce que pour nous, c'était tout le temps très important de travailler avec la Finlande, de coopérer avec la Finlande, avec qui nous avons une coopération extrêmement étroite depuis presque toujours. Donc, avec la Finlande, nous avons posé notre candidature pour devenir membre à l'OTAN en mai. Puis, il y a eu quelques discussions au sein de l'OTAN et nous avons conclu un accord entre la Finlande, la Suède et la Turquie cet été pour débloquer la situation. Et donc, on a pu poser notre demande de candidature. Je pense qu'une adhésion va plutôt augmenter notre sécurité. Ça sera quelque chose de très positif pour la stabilité dans le Nord. Et je pense, je l'espère, que la Suède ne va pas seulement recevoir une garantie pour notre protection, on va aussi contribuer à la défense de l'OTAN. Et pas seulement de la défense de l'OTAN dans le Nord, mais dans toute l'Alliance. Merci beaucoup. Du coup, je me tourne vers vous, Excellence, Monsieur Antonen, avec la même question et avec cette spécificité aussi pour la Finlande. Il y avait quand même une relation diplomatique avec la Russie de par la frontière autour de 1300 km de frontière commune qui est quand même très spécifique. Donc là aussi, quels sont les débats actuellement en Finlande sur cette candidature et qu'attendez-vous de la suite et quelles conséquences, en fait, et notamment sur cette frontière, le long de cette frontière ? Mon collègue suédois a parlé beaucoup de mêmes questions que nous parlons en Finlande. Réellement, notre monde a changé profondément en février. Jusqu'à février, nous avons pensé que c'est possible de continuer avec notre politique historiquement assez longue, pas de 100 ans, parce que la République est seulement 100 ans, n'est pas changé la situation stratégique dans le Nord. Mais quand notre voisin a décidé de commencer une guerre en Europe,
change, en même temps changer toute la situation stratégique et politique dans l'Europe, aussi dans notre région. C'était assez naturel pour les politiciens finlandais et aussi notre nation de penser à nouveau. Comment nous pouvons contribuer pour la stabilité et paix dans l'Europe? Et la pensée assez logique dans la situation était essayer de devenir un membre de l'OTAN, adhérer à l'OTAN, et naturellement avec notre voisin Suède, avec qui nous avons une histoire de plus de 1000 ans. Et nous sommes maintenant ici, il y a deux pays, encore deux pays d'OTAN qui n'ont pas ratifié notre adhésion. Des discussions en Finlande, notre Parlement a approuvé avec 198 votes de 200 d'adhésion. Tous les partis, la majorité dans tous les partis pour. J'ai assez clair que quelle est l'opinion des populations finlandaises. C'est clair que Finlande va devenir un partenaire, un allié fiable et aussi un partenaire fiable qui est capable de se défendre. Merci beaucoup. Avant de passer, parce que du coup j'ai une question aussi pour évidemment l'autre côté de la Baltique, c'est-à-dire la rive sud, mais une question sur, peut-être plus ponctuelle, mais j'ai compris qu'on discutait de la possibilité pour la Suède, voire pour la Finlande, d'accueillir aussi des armes nucléaires dans le cadre de l'OTAN sur le sol de vos territoires. Est-ce que, là aussi, parce que vous parlez de contribution de votre pays aussi, à la sécurité et en fait c'est aussi une question d'engagement au sein même de l'OTAN, mais je crois par exemple que la Norvège ne veut pas accueillir elle d'armes nucléaires sur son territoire. Quelle est la position de la Suède? Alors on n'a pas posé de conditions en posant notre candidature de devenir membre de l'OTAN. En devenant membre, nous allons respecter toute la politique de l'OTAN, y compris la doctrine nucléaire. Nous sommes en ce moment dans le processus d'adhérer. Il y a la possibilité de faire des déclarations unilatérales, mais c'est trop tôt pour dire ce qui va se passer. On est au milieu du processus et ce qui est important, c'est que la Suède va respecter la doctrine nucléaire de l'OTAN. Merci beaucoup. Peut-être pour la Finlande, la question se pose peut-être pas encore. Pour la Finlande, plus ou moins la même, pas des conditions quand on va adhérer. On n'est pas encore membre de l'OTAN. Et c'est très important de comprendre que cette idée à adhérer, à devenir membre de l'OTAN, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est notre idée comment on peut sécuriser notre région, de contribuer pour la paix et stabilité de notre région. Ce n'est pas une idée agressive. Alors du coup, ça me permet, merci de rebondir, sécuriser la région, donc je suppose que du point de vue des États baltes, l'adhésion à venir de la Finlande et de la Suède est quelque chose de positif, évidemment, et de rassurant, puisqu'on a cet espace baltique qui devient un espace plus cohérent, entre guillemets. Ça, j'allais dire, c'est ce qu'on attend. Est-ce qu'il y a une inquiétude dans les États baltes sur le fait que ça pourrait entraîner un désengagement de la présence otanienne sur le sol des États baltes? Je pense à la présence avancée renforcée de l'OTAN, qui a d'ailleurs été renforcée encore depuis février.
C'est-à-dire que ce que j'ai en tête, c'est le fait que cette adhésion à venir de ces deux pays va renforcer la sécurité de l'ensemble baltique, ça on est bien d'accord, et va aussi, je pense, renforcer la capacité de l'OTAN à venir défendre les États baltes en cas de besoin, puisqu'on sait qu'il y avait toujours cette histoire d'une petite fragilité par la voie terrestre pour que l'OTAN accède aux États baltes si vraiment la Russie, entre Kaliningrad et la Biélorussie, décidait de bloquer le passage. Donc du coup, ça ouvre une voie supplémentaire par le Nord qui me semble très rassurante. Mais en regard de ça, il y a la cohérence de l'espace baltique, avec, on dit, voilà, cette mer baltique qui devient un lac otanien, etc. Est-ce que quand même il y a des débats sur que va devenir la présence de l'OTAN sur place, sur les territoires baltes, qui a été déployée depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, ou 2017 est-ce qu'il y a une évolution à attendre ou pas? Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici à la Normandie pour cette occasion. Et je pense que c'est le meilleur endroit pour discuter l'unité européenne, la paix et aussi la guerre, parce que c'est vraiment la région qui comprend très bien ce que ça veut dire. Donc, merci pour votre question. Je pense pour nous, c'est très clair que stratégiquement et militairement, la question de la Finlande et de la Suède est très, très importante pour nous. Mais aussi, pour nous, c'est peut-être un symbole et aussi une preuve que ce n'est pas possible d'être neutre. Parce qu'après la guerre, avec la guerre, c'est très clair qu'il y a le monde démocratique et il y a le régime non démocratique. Et je ne parle pas juste peut-être sur la Russie, mais sur la Chine, sur les autres pays et les régimes non démocratiques. Et la guerre en Ukraine, c'est vraiment la guerre pour nos valeurs et aussi c'est la guerre pour le monde démocratique. Et l'avenir du monde démocratique dépend aussi sur le fond de cette guerre. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très, très important et je pense que le dernier sommet de l'OTAN était très important pour souligner aussi la perspective des présences de l'OTAN dans notre région. Et c'est le renforcement de la présence pour avoir pas juste bataillons dans tous les pays, de tous trois pays baltes, mais aussi pour avoir plus grand brigade, aussi pour renforcer le défense aérien, parce que c'est un des sujets très, très, très importants. Et nous avons vu avec la guerre en Ukraine pourquoi la défense aérienne est très, très importante. Donc, je pense que les décisions ont été prises très, très importantes pour notre région. Et je suis très heureux que la Lituanie va accueillir le prochain sommet de l'OTAN l'année prochaine, en juillet. Et je suis sûr qu'on va continuer ce renforcement de la présence de l'OTAN chez nous. Et je pense que l'adhésion de la Finlande et de la Suède est aussi pour cette occasion. Comme M. l'ambassadeur de Suède a dit, c'est vraiment pas juste peut-être adhésion pour être plus sécure, mais aussi pour donner, pour partager. Et je pense que c'est quelque chose de très, très, très important. Si je peux ajouter. Pourquoi on a besoin de cette présence permanente sur notre territoire? Ce sont les leçons qu'on a apprises après quelques mois de guerre en Ukraine, que notre doctrine de défense qui présumait à l'époque, c'est-à-dire il y a 8 mois, qu'il doit vraiment attendre une attaque de l'extérieur, avec une profondeur stratégique de quelques... Dans notre cas, c'est presque 500 kilomètres. En cas de Lituanie, c'est moins, avec le couloir de Suvalki, qui est moins de 100 kilomètres, si je ne me trompe pas, qu'on peut attendre 24-48 heures pour le renforcement de nos alliés pour arriver sur notre territoire. Malheureusement, la leçon que nous avons appris à Boucha, Irpen, à Liman, dans les autres Izum, les autres villes de Ukraine, on ne peut pas laisser occuper même les 10 cm² de notre territoire
à un régime terroriste qui va exécuter nos citoyens, qui va piller, détruire tout ce que nous avons. C'est-à-dire, on a besoin d'une défense de notre territoire dès la première mètre de notre frontière. C'est un changement très profond dans notre pensée stratégique. C'est pourquoi on a besoin de cette présence avancée sur notre territoire. On n'a besoin pas vraiment trop grande. On parle bien de quelques brigades dans notre région, parce que heureusement pour nous, ce sont les Ukrainiens qui ont détruit la plupart des forces armées russes maintenant. La présence de l'armée russe près de notre frontière est diminuée au niveau quantitatif que qualitatif aussi. La fameuse 76e division aéroportée est presque annihilée en Ukraine. Oui, on peut respirer un peu pour le moment. Je peux dire probablement quelque chose qui est complètement paradoxal, mais aujourd'hui, en Lettonie, nous se sentons dans une sécurité que notre pays n'a jamais eue, avec notre participation dans une alliance militaire, comme politico-militaire, comme l'OTAN, et bien sûr, grâce à notre participation dans l'Union européenne et toutes les solidarités et coopérations que nous avons au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire sentir d'être européen, d'avoir tous les instruments européens dans notre position, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Monsieur Hugo. Merci. Et tout d'abord, je suis très heureux d'être ici et merci pour l'invitation de participer à cette conversation très importante. Donc, concernant l'OTAN, des pays baltiques et adhésion de la Suède et de la Finlande, comme mes collègues baltiques ont déjà dit, c'est vraiment progrès très important pour nous en termes de notre sécurité, et ça va changer l'architecture de notre sécurité dans notre région nordique-baltique. Et il y avait des décisions très importantes prises au sommet à Madrid de l'OTAN. Donc, et il envisage une création supplémentaire des troupes au niveau de division. Donc, c'est en train de se passer en ce moment-là. Il y a des préparations, des négociations avec des autres pays de l'OTAN pour renforcer les pays baltiques. Et nous sommes très fiers d'avoir les soldats français en Estonie, par exemple. Et cette présence sera renforcé à l'avenir. Donc, peut-être un petit paradoxe pour souligner ici, président Poutine, il a toujours utilisé cette menace de l'OTAN pour justifier ses actions, et notamment contre l'Ukraine aussi. Et il est devenu maintenant le meilleur salesman de l'OTAN. Donc on peut dire que par
commencé cette agression brutale contre l'Ukraine, il a commis une erreur stratégique, vraiment, parce que la frontière de l'OTAN va s'agrandir avec la Russie, bien sûr. Oui, merci beaucoup. La frontière à la fois s'agrandit et se rapproche. C'est-à-dire que si on se met, alors je ne vais pas mettre dans la tête de Vladimir Poutine, mais si on reprend le discours qu'il a, de dire « je me sens agressé par une OTAN qui s'élargit de plus en plus et qui vient à mes portes et qui me repousse, moi, de plus en plus à l'est et loin, etc. Qu'est-ce qu'on... Enfin, on obtient en effet aujourd'hui le résultat inverse, mais du coup, on contribue aussi à recréer des murs. Et comment est-ce que vous percevez cette question de... Voilà, la région baltique va devenir plus cohérente, va devenir une région otanienne. En même temps, il y a la présence de l'UE. Est-ce que finalement, on reconstruit nous-mêmes aussi des murs et une rupture? Alors, en réactif, c'est pas un souhait de vos pays, de nos pays, de l'Europe, etc. Mais comment on peut envisager l'avenir sur cette base-là? Et comment envisagez-vous, notamment, alors je vais peut-être un peu vite en besogne, mais la période post-guerre, c'est-à-dire cette guerre va finir par s'achever. Et là, alors peut-être, question que je vous pose en tant que bonne Française de base, le président Macron a toujours l'habitude de dire il faudra envisager le moment, il faudra reparler avec la Russie de Poutine ou pas de Poutine, mais etc. Comment envisagez-vous cette période post-guerre pour l'espace nordico-baltique par rapport à... Parce que vous êtes beaucoup plus concerné que la France. Enfin, je veux dire, le président Macron se permet de dire que nous allons devoir discuter avec la Russie après la guerre et qu'elle restera un pays qui se trouve en Europe ou à la marge de l'Europe, etc. Mais vous êtes beaucoup plus concerné finalement que la France, puisque vous êtes frontalier et que vous avez, pour certains d'entre vous, des frontières qui sont très très longues et une proximité qui est très longue. Donc est-ce qu'en prospectif, hein, comment voyez-vous donc la suite? Évidemment, c'est trop tôt pour parler de reprise de dialogue, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut reconstruire sur cette base-là, ou est-ce qu'on est donc sur une nouvelle guerre froide ou une nouvelle scission Est-Ouest avec l'OTAN d'un côté et puis le monde russe de l'autre côté? Je ne sais pas qui veut se saisir de cette question, un peu tordue peut-être, ou un peu trop tôt. Si je peux, c'est juste pour rappeler ce que Nerius, il a dit un peu plus tôt, c'est que ce n'est pas un conflit entre deux États, entre la Russie et l'Ukraine. C'est le conflit des valeurs. C'est le conflit entre une politique qui est basée sur les intérêts et la politique qui est basée sur les valeurs. Entre la démocratie, entre l'état de droit et la liberté personnelle, privée, et la dictature, la kleptocratie. On peut arriver à un cessez-le-feu, mais on ne peut pas arriver à une paix entre les deux, malheureusement. Personnellement, je suis pessimiste. Autrement, vous avez invoqué la période de cette Ligue hanséatique et pourquoi on ne peut pas vraiment répliquer quelque chose comme ça. La Ligue hanséatique était basée sur les intérêts économiques des citoyens. Ce sont tous les villes libres, les villes franches, je crois que c'est en français, oui, à l'époque. C'est-à-dire avec une démocratie interne, avec les élections de municipalités, les choses comme ça. Et ça existe, oui, bien sûr, chez nous, on peut dire dans l'Europe. Malheureusement, nos voisins russes, ils ont pris une direction dans la direction opposée. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, et aussi en France, dans l'Europe, ce sont les PME, par exemple,
qui sont vraiment le qui créaient cette comment on appelle les biotopes économiques chez nous. En Russie, ce sont les grandes behemoths de l'économie de l'État. Je ne rappelle qui a vraiment dit ça, que la Russie, c'est une grande station de service avec les armes nucléaires. Oui, oui. À partir de Gazprom et Transneft, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est vraiment très difficile d'établir les liens très étroits avec une économie de l'État. Notre base, notre pensée économique est tout à fait différente avec la Russie. Juste ajouter, pour moi personnellement, c'est le plus important, et la fin de la guerre avec la victoire de l'Ukraine, c'est le plus important. Parce que si on va finir la guerre avec, je ne sais pas, la victoire de prendre quelques territoires ukrainiens par la Russie, ça sera vraiment un mauvais message pour Poutine et un mauvais message aussi pour les autres dictatures et régimes non démocratiques. Qu'il y a possibilité pour gagner, il y a possibilité pour prendre les territoires en utilisant la guerre, les autres cités, etc., etc. Donc c'est le plus important pour aider l'Ukraine pour gagner. Parce que je pense que c'est aussi l'expérience des trois pays baltes. Nous comprenons très bien ce que ça veut dire l'occupation. La Lituanie a perdu deux fois notre indépendance. C'était la première fois à la fin du XVIIIe siècle, quand la Grande-Duché de Lituanie a disparu de la carte de l'Europe. Et la deuxième fois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est la raison pour laquelle peut-être nos pays sont très actifs parce que pour soutenir l'Ukraine, pour défendre nos valeurs, parce que nous comprenons très bien qu'est-ce que ça veut dire pour perdre l'indépendance, pour perdre la liberté. Et pour nous, cette expérience est très, très récente. Donc c'est la raison pour laquelle c'est juste la victoire ukrainienne très, très, très importante. Pour finir cette guerre. Aussi, le deuxième peut-être argument très important, que c'est il faut peut-être arrêter de penser qu'on peut comprendre la logique de la Russie. Je pense la logique de Poutine est totalement différente. Comme j'ai dit, c'est parfois on pense qu'on peut comprendre la rationalité dans la manière de notre rationalité, mais la rationalité Poutine est différente. Il vit dans peut-être la réalité virtuelle avec les lunettes de réalité augmentée, et c'est quelque chose qu'on peut savoir ça. Et pour ça, c'est vraiment très 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 important pour peut-être pas planifier tous les scénarios maintenant, comment on peut finir la guerre. Comme j'ai dit, ce n'était pas beaucoup des experts qui ont prévu la chute de l'Union soviétique. Ce n'était pas beaucoup des gens qui ont dit que ça peut être comme ça, avec la déclaration de dépendance en Lituanie. Je me souviens très bien cette période, cette détermination des gens. Donc, pas désestimer aussi la Russie et les Russes. Et je voudrais vraiment souligner ce point qui peut-être je suis plus optimiste que mon collègue, mais je voudrais vraiment avoir cet optimisme pour la Russie aussi, pour la Russie démocratique. Juste un petit mot pour ajouter en nuance, ça doit être victoire pour l'Ukraine, bien sûr, mais aussi ça doit être un défait stratégique pour la Russie. Et pourquoi ça? Pour cette mentalité de changer, parce que nous avons malheureusement ces jours-là, après la chute de l'Empire soviétique, ces phénomènes de nationalisme, de chauvinisme, de néonazisme en Russie. Et on peut voir que Poutine a déjà utilisé ce comme un instrument pour élever son soutien.
C'était avec la guerre en Géorgie, c'était avec l'annexion de la Crimée, et c'était avec la guerre en Syrie aussi, Tchétchénie, donc tout ça. Et il y a cette mentalité dans la société russe que c'est quelques raisons d'être, pour être grand, pour être un pays important, on doit faire de la guerre, on doit annexer des territoires. Et c'est vraiment la mentalité qui ne provient pas de ce siècle-là. Donc c'est... Et pour ça, on doit faire la société russe comprendre que c'est pas, ça ne va pas marcher comme ça dans l'avenir. Mais ce n'est pas facile à faire. Hein. Merci. Quelques observations sur l'Ukraine, parce que si nous avons vu, nous avons beaucoup écouté, nous avons beaucoup vu l'Ukraine, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très fondamental. Et c'est, si on compare avec la Russie, l'Ukraine est un pays démocratique niveau national et niveau local. Quelque chose qui est totalement absent en Russie. Et ça va faire, c'est très difficile pour les Russes à comprendre l'Ukraine. Parce que les sociétés sont tellement différentes, et ils ont été presque les mêmes il y a 30 ans. Mais le développement démocratique, ce n'est pas dire que l'Ukraine a été dans tous les domaines très réussi, ce n'est pas le cas. Mais dans ce domaine, c'est réellement différent si on compare la Russie. Et ça va faire très différent pour les dirigeants russes à comprendre l'Ukraine. Et c'est probablement aussi une explication pourquoi la guerre n'a pas été tellement réussie. Que c'est réellement la guerre des peuples ukrainiens contre l'armée russe. Et c'est quelque chose que nous avons vécu dans les années 30. L'armée soviétique pensait à marcher à Helsinki dans une semaine. Ils n'avaient jamais réussi à marcher à Helsinki. Jamais. Oui, juste quelques... Le premier point, je voudrais vraiment souligner ce qu'ont déjà dit mes collègues, que l'Ukraine gagne, c'est absolument crucial. La Russie doit avoir une défaite stratégique, comme a déjà été dit. Si la Russie gagne, on va voir cette histoire de nouveau. Il y aura une répétition. Donc, il faut faire tout en Europe et ailleurs pour soutenir l'Ukraine. Un autre point, c'est que cette guerre a poussé l'Europe d'avancer la coopération en matière de défense en Europe, ce qui est très bien. Mais tout en gardant le lien transatlantique, parce que ce lien-là est extrêmement important pour notre protection, pour notre défense. Et cette guerre nous l'a rappelé. Et troisième point, il faut soutenir l'Ukraine maintenant, et probablement beaucoup plus que nous faisons. Mais il y a aussi une reconstruction à faire, qui va coûter très très cher. Merci beaucoup. Alors, j'aurais envie de réagir à plein de choses. Je suis obligée de faire des choix. Je voudrais aussi donner la parole à la salle. Mais vous évoquez justement cette question du lien transatlantique et
Alors là encore, je vais jouer la française de service. Vu la posture de la France justement vis-à-vis de l'OTAN, etc., et le regard que la France porte sur l'OTAN et sur l'atlantisme de certains pays dont, je ne veux pas caricaturer, mais dont la France aura tendance parfois à considérer que, en tout cas, les États baltes seraient, et peut-être demain. Enfin, il y a cette ambiguïté de la posture française par rapport justement à l'OTAN, au rôle de l'OTAN, au rôle des États-Unis, etc. Cette unité, quand même, depuis février, elle a été préservée, malgré ces petits différends qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a une inquiétude dans vos pays ou pas, justement, sur l'articulation entre défense européenne et rôle de l'OTAN, sur les projets, et notamment un certain nombre de projets portés par la France, sur l'autonomie stratégique, etc. Est-ce que vous pensez qu'on va tenir... Enfin, on est en train de s'inscrire là sur du temps long, c'est-à-dire c'est une guerre d'usure, enfin, où chacun joue le temps et l'épuisement de l'autre. Et l'une des inquiétudes qu'on peut avoir de notre côté pour faire gagner l'Ukraine, et bon, je pense qu'on partage tous le même objectif, c'est-à-dire de se dire en effet défaite stratégique de la Russie indispensable pour que ça ne recommence pas après-demain, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, et victoire claire de l'Ukraine, il y a un risque d'épuisement, c'est-à-dire, et je faisais allusion tout à l'heure aux États-Unis, on voit bien qui sont les principaux contributeurs de l'aide militaire à l'Ukraine en ce moment. Comment, selon vous, faire pour qu'on tienne sur la durée et qu'on tienne de façon cohérente en transatlantique, c'est-à-dire à la fois en européen, mais aussi avec une coordination avec les Américains. Et on sait très bien le poids des Américains dans cette aide, et des Britanniques aussi, d'ailleurs, accessoirement, puisqu'on parle d'Européens. Comment vous voyez les choses de votre point de vue, et notamment justement de ce point de vue nordique, où vous êtes à la fois européen, otanien, et sans doute plus otanien que la France, pour être un peu provocatrice. Je peux juste commencer, mais je voudrais dire que peut-être la guerre a poussé nous pour coopérer plus, et peut-être la guerre est le meilleur exemple de coopération transatlantique, parce que dans toutes les crises, quand il y a les crises, nous sommes unis. Et nous sommes unis avec les États-Unis sur les sanctions, nous sommes unis sur l'aide pour l'Ukraine. Donc il y a vraiment coopération qui marche. Et aussi l'OTAN marche. Il n'y a aucune mort des cerveaux de l'OTAN. Je pense que maintenant, personne ne parle sur ça. Parce que l'OTAN, avec aussi l'adhésion de la Finlande, de la Suède, devient plus important. Et pour moi, il n'y a pas aucune concurrence avec ce que nous voulons faire au niveau européen. Il y a beaucoup de complémentarité que l'Europe pourra faire. Maintenant, on parle comment renforcer, je sais pas, l'industrie militaire, parce qu'il a besoin de César français pour l'Ukraine. Il a besoin, nous voulons acheter César français, mais il n'a pas de capacité d'industrie européenne. Donc, naturellement, qu'il faut renforcer l'industrie de la défense au niveau européen. Il y a des questions de mobilité de la défense. Donc, il y a besoin de coopération européenne. Il y a la cybersécurité. Il y a plusieurs sujets que l'Europe peut faire plus. Et je pense, avec la guerre, il y a vraiment cette tendance très, très importante pour augmenter nos financements pour la défense. La Lituanie maintenant a dédié 2,1% de PIB pour la défense et pour la sécurité. Et les autres pays aussi augmentent cette dépense militaire. Et c'est quelque chose, je pense, très important comme un résultat de cette guerre en Ukraine pour avoir la coopération sur la sécurité, sur la défense au niveau européen plus élevée et plus solide et plus concrète. Et ça sera peut-être aussi quelque chose que Poutine ne pensait pas, n'attendait pas pour avoir comme les résultats. Enfin, non, vous n'êtes pas obligé. Hein. Peut-être juste un petit mot. Peut-être... Avant la guerre, il y avait quelques frictions entre cette défense européenne et l'OTAN et le rôle de l'OTAN. Mais à mon avis, suite le 24 février, c'est disparu. Hein. Et il y a beaucoup d'unité au sein de l'OTAN et beaucoup d'unité au sein de l'Union européenne concernant les
rôles respectifs de deux organisations. Et la France a dit très clairement que c'est l'OTAN qui puisse jouer le rôle de seul protecteur de l'Europe en termes de défense collective. Donc, et on le voit aussi en termes de l'aide militaire fournie par les États-Unis à l'Ukraine. C'est énorme par comparaison des efforts des Européens. Oui, aussi aux États-Unis, il y a eu des pensées que peut-être les Européens doivent faire plus. Et si on va faire plus maintenant, je crois que ça va être très accepté et applaudi par les Américains. Si les Européens, vont avoir une économie une industrie de défense plus forte, plus efficace, plus grande. Dans la situation, il n'y a pas trop de production dans cette matière. Je crois que c'est assez clair. Je voudrais ajouter juste deux choses. Une chose, c'est juste pour clarité, ce n'est pas un conflit entre une alliance transatlantique et la Russie, c'est un conflit entre les démocraties au niveau global, parce que nous avons à notre côté Japon, Corée du Sud, Australie, la Nouvelle-Zélande et Mexique, et les autres pays qui soutiennent l'Ukraine militairement, économiquement, ou même au sein de l'Assemblée générale de l'ONU. Avec leur vote de soutien. Une autre chose, oui, bien sûr, c'est très important d'avoir les chars, les avions de combat, les missiles, les canons, les abus, mais il y a une autre chose. Je crois que c'est le président Macron qui a mentionné que c'est une guerre hybride et globale. Que nous avons entré déjà, malheureusement. Et c'est-à-dire, il y a un champ énorme pour l'Union européenne avec toutes les politiques existantes pour préserver et augmenter notre résilience dans tous les domaines. Cyber, énergie, santé, oui, transport, par exemple. C'est une tâche énorme qui doit être. L'Union européenne, c'est le seul moyen pour nous pour achever. Si je peux être très 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 court. Premièrement, comme j'ai déjà dit, en anglais, on dit one can chew a gum and walk at the same time. Et c'est exactement cela qu'on doit faire dans cette situation. Le renforcement de la coopération européenne en matière de défense va renforcer aussi le lien transatlantique. Et en plus, on voit maintenant comment on renforce nos forces armées. La Suède vient de prendre la décision d'augmenter notre budget de la défense à 2% de notre produit intérieur brut. C'est la plus grande augmentation depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, sûrement, et avec ce qui se passe en Allemagne et ailleurs, ça va renforcer la protection de nous tous, et ça va renforcer l'OTAN. Merci beaucoup. C'est très rassurant, en fait, je trouve, votre,
discours, parce qu'il y a un optimisme qui... Enfin, c'est-à-dire que cette guerre peut déboucher sur quelque chose aussi, enfin, des aspects positifs. Je ne dirais pas que c'est une opportunité, mais enfin... parce que les Ukrainiens ne le voient pas comme ça, ce que j'entends bien, mais ça veut dire que c'est un renforcement. Une dernière question, et puis vraiment je donne la parole à la salle, sur la question de l'unité démocratique, parce que vous avez évoqué précédemment le fait que c'était une guerre des valeurs, avant tout, sous différents prétextes, mais c'est les valeurs démocratiques, donc pas spécifiquement européennes, qui sont mises en jeu par la Russie aujourd'hui. Du coup, se pose la question du maintien de cette unité démocratique. C'est à la fois de l'engagement. Alors là, je me tournerai peut-être aussi vers M. Alexei Younas, parce qu'il me semble la Lituanie, en fait, me paraît un cas très, enfin, pas très spécifique, mais un cas peut-être extrême de l'engagement par rapport à la posture politique. C'est-à-dire qu'on a vu la Lituanie s'engager en 2020 en faveur de la Biélorussie au moment de la réélection frauduleuse de Loukachenko, vous engagez très fortement vis-à-vis de l'Ukraine, en soutien à l'Ukraine et contre la Russie. Vous engagez aussi très fortement vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de Taïwan. Et j'ai toujours été étonnée, en fait, c'est pas du tout un... Mais quand on observe cette posture, on se dit, voilà, la Lituanie, au nom des valeurs, en fait, à chaque fois, si je ne me trompe pas, mais vous me direz, va très loin dans la posture et finalement apparaît quasiment comme le tenant des valeurs européennes, ou en tout cas en Europe, le pays qui dit, voilà, je me tiens droit en disant qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables de la part du pouvoir biélorusse, du pouvoir russe, du pouvoir chinois, et du coup, je vais à la rupture. Et me semble-t-il, vous le payez cher en termes économiques, en termes de sanctions, avec, j'imagine, une volonté d'entraînement des autres pays qui suivent, plus ou moins, enfin, chacun fait ce qu'il peut, enfin, comme il peut faire. Mais voilà, donc j'ai une double question, c'est à la fois vers vous sur comment la Lituanie tient, parce que je sais que les sanctions, par exemple, vous avez perdu le transit en provenance de Biélorussie, enfin, il y a un aspect économique, et donc par les temps qui courent, avec la crise économique qui monte, les prix de l'énergie, vous avez complètement arrêté d'acheter du gaz et du pétrole russe, si je ne dis pas d'ânerie, alors que d'autres pays en Europe sont beaucoup plus, on est beaucoup plus hésitants quand même, on en discute, mais c'est un peu compliqué. Comment est-ce que vous tenez économiquement et est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à la population? Et du coup, de façon plus large, j'ai une question plus large pour tous les ambassadeurs, sur y a-t-il un risque pour l'unité démocratique, justement, alors qu'on sait qu'on envisage une crise et on pense qu'il va y avoir une crise et peut-être un hiver un peu compliqué à passer, on le voit sur la question de l'énergie, etc. On voit aussi la montée des extrêmes dans certains pays, et avec des discours qui sont beaucoup plus, beaucoup moins allants sur l'engagement qu'on peut avoir vis-à-vis de l'Ukraine notamment, ou de ses valeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque pour l'Europe? Et est-ce que vous pensez que votre région, la région baltico-nordique, qui incarne justement fortement ces valeurs démocratiques, serait moins en danger que d'autres régions d'Europe plus au sud où ça pourrait tanguer un petit peu plus? Comme c'était la première partie de la question sur la Lituanie, peut-être je vais commencer pour ça. Comme je rigole parfois, pour la Lituanie, ce n'est pas un grand problème d'être première. Nous avons quitté l'Union soviétique la première. Nous sommes les premiers pour pousser aussi l'Europe vers l'indépendance dans les manières différentes. Je pense que pour nous, c'est notre expérience qui donne ça. Parce que cette expérience, que les régimes non démocratiques, et nous sommes très cohérents, comme vous avez dit, ce n'est pas juste la Russie, mais c'est la situation en Belarus, Taïwan et les autres angles de notre monde, que c'est vraiment très important d'être cohérent et d'être sur les valeurs et défendre les valeurs chaque jour, chaque semaine, chaque heure. Et ce n'est pas gratuit. Et bien sûr, il y a des conséquences, mais quand même, notre économie reste toujours dans la voie de croissance. Il y a comme vous avez dit, la sanction contre la Russie, il n'y a pas de transit de Belarus, il y a sanctions du côté chinois sur notre économie. Mais quand même, nous restons dans la voie de croissance. Et l'explication est très simple, parce que nous sommes bien préparés pour cette situation. Qu'est-ce que nous avons fait dans les dernières années? Nous avons investi sur notre indépendance énergétique,
Nous avons construit notre terminal GNL en 2014. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes le premier pays en Europe qui a coupé le gaz, le pétrole et aussi l'électricité russe. Parce que nous avons investi en avance pour cette situation. Parce que pour nous, c'était toujours très clair que Poutine utilise l'énergie pas juste pour donner gaz, pour donner chauffage, mais aussi pour, comme un outil géopolitique, comme un outil pour faire ingérence sur notre politique interne, pour financer les partis politiques, pour financer les politiciens, pour vraiment changer notre société, pour vraiment donner cette perspective pour nos propres citoyens. Donc, c'est la raison pour laquelle, je pense maintenant, nous sommes dans cette situation que nous pouvons être cohérents et sans aucune grande conséquence économique. Et je pense que c'est aussi peut-être un exemple pour l'Europe, pour vraiment penser comment diminuer cette dépendance. Et ce n'est pas juste vers la Russie, mais aussi vers la Chine. Et maintenant, bien sûr, on discute comment on doit avoir les relations avec la Chine. Mais pour nous, c'était aussi très important. Quand la Chine a fait les sanctions contre nous, parce que ce n'était pas les sanctions qui nous ont fait quelque chose de grave. C'était juste notre souhait pour avoir les relations avec Taïwan, pour avoir la représentation économique de Taïwan à Vilnius. Il y a cette représentation économique à Paris, il y a dans les autres pays. Mais pour nous, c'était la grande réaction du côté chinois. Ils ont fait les sanctions, mais il n'y a pas grande conséquence pour nous. Parce que nous ne sommes pas très liés avec la Chine. Il n'y a pas beaucoup d'investissements chinois. Parce que nous avons créé les instruments pour protéger notre infrastructure critique, nos secteurs très importants. Et il n'y a pas d'investissement chinois. Il n'y a pas beaucoup de conséquences. Oui, vous avez parlé du risque de l'unité en Europe. Comme j'ai déjà dit, de garder l'unité, c'est absolument crucial. Et c'est vraiment la priorité des priorités pour la présidence suédoise qui commence le 1er janvier, donc la présidence suédoise de l'Union européenne. Je suis sûr qu'il y aura des discussions. Je suis sûr que garder l'unité sera de plus en plus difficile que le temps passe, mais étant donné la gravité de la situation, moi je suis peut-être optimiste, mais je pense qu'on va pouvoir garder l'unité. C'est vrai que l'Europe avance assez, souvent assez lentement, mais l'Europe se déploie assez bien en temps de crise. Et maintenant, nous sommes en temps de crise. Et je pense, je suis convaincu qu'on va pouvoir garder cette unité. Si je peux, je vais juste ajouter quelque chose que notre première ministre a dit. C'est très court, mais très efficace. Le gaz coûte cher, mais la liberté n'a pas de prix. C'est juste pour répondre à votre question, s'il y a une différence entre les pays, je crois qu'aucune de notre société est complètement immunisée contre les risques de cette influence des régimes autoritaires au-delà de notre frontière, soit Russie, soit Chine, probablement quelques autres. Oui, et c'est très important vraiment pour garder nos valeurs démocratiques, parce que dans notre histoire des trois pays baltes, où à l'époque, on a parlé des quatre pays baltes avec la Finlande, entre deux guerres, que le seul pays qui a gardé sa indépendance, c'était la Finlande, qui à l'époque était la seule vraie démocratie.
Parce que les trois pays baltes, à l'époque, entre deux guerres, vers la fin de cette période, vers la fin des années 30, sont devenus les régimes autoritaires. Et pour un régime autoritaire, entrer dans un contrat avec le diable, c'est plus facile que pour une démocratie. Une autre question qui est très importante quand on parle de cette grand voisin de notre est la question d'énergie. Et on doit réellement, drastiquement, minimiser notre consommation de l'énergie fossile. C'est extrêmement important pour notre planète, pour les survivants de notre enfant et grands-enfants. Mais ça va aussi avoir un impact massif sur les pays autoritaires qui sont dépendants de l'énergie fossile. Merci beaucoup. Je me tourne vers la salle parce que j'imagine que vous avez des questions et je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous venez d'évoquer. Mais vous n'avez pas évoqué à aucun moment le risque nucléaire. Pourriez-vous en dire un mot ? Monsieur Poutine a donné comme prétexte à l'invasion de l'Ukraine l'élargissement de l'OTAN, mais il me semble qu'il a aussi une autre idée derrière la tête, c'est de déstabiliser les pays occidentaux. Vous avez sans doute entendu il y a quelques jours monsieur Prigojine dire que effectivement il était intervenu avec ses hackers dans les élections américaines et peut-être bien dans beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous pensez qu'il a dit ça seulement pour nous faire peur, ou bien est-ce qu'il y a un risque réel d'intervention et de déstabilisation par la Russie ? Oui, d'abord bravo pour les interventions, hein, je vous le redirai, mais c'est de très grande qualité. Pour rebondir sur l'intervention de monsieur l'ambassadeur de Suède, l'unité qu'on appelle tous de nos voeux ne risque-t-elle pas de se fracasser sur la réelle politique, liée notamment aux impératifs économiques ? Oui, comme un représentant des pays non nucléaires, je peux dire que vivre à côté de quelqu'un qui est devenu pour le moment, comme on s'appelle, le singe avec les grenades, the monkey with the hand grenade, c'est pas confortable, pas du tout, mais c'est bien. Rationalité, pour le moment, c'est bien sûr, c'est la dissuasion mutuelle pour l'usage des nucléaires. Ici, on présume que les deux côtés, nous avons les personnes rationnelles, ça ne va jamais arriver. Si quelqu'un est psychologiquement dérangé, malheureusement, il n'y a pas de garantie. C'est ce que je peux dire. C'est le seul risque que nous avons pour le moment. C'est bien la santé mentale de M. Poutine. C'est la seule chose. Autrement, la deuxième question, c'était sur le...
La déclaration de M. Prigogine. Oui, il y a deux éléments. Le premier élément que c'était clair, même au Provent, avant sa déclaration, que la Russie a déjà porté cette guerre hybride, et pas seulement contre les États-Unis pendant les élections précédentes, mais aussi dans les autres pays et même ici en France. La déclaration, le timing pour la déclaration de M. Prigogine, ce n'est pas vraiment lié aux élections de mi-terme aux États-Unis. Plutôt, c'est mal vraiment placé, parce que vraiment, pour le Parti républicain, c'est une mauvaise publicité. Mais c'est surtout parce que il y a déjà une lutte entre les élites en Russie qui a commencé, entre les camps de M. Prigogine, Patrouchev et les autres. Et c'est bien sûr, M. Prigogine, ils vont faire une publicité interne pour montrer qu'il est vraiment omnipotent. Donc, sur cette menace nucléaire, mais aussi concernant cette autre question de ce qu'a dit Prigogine, je pense que c'est très important de garder à l'esprit, quand on parle du régime russe, du régime de Poutine, que c'est une mentalité de l'officier de KGB. Et cette mentalité s'utilise toujours faire peur. C'est modus operandi. Pour eux. Menace nucléaire, on s'utilise pour fragiliser notre unité, pas seulement entre les pays de l'Occident, mais aussi dans notre société, au niveau très bas. Alors pour les armes nucléaires, les armes nucléaires sont là pour ne pas être utilisées, n'est-ce pas? C'est de la dissuasion. Je pense que le fait que le régime russe évoque l'arme nucléaire montre plutôt à quel point le régime est désespéré. Deuxièmement, en ce qui concerne le risque de déstabilisation, il ne faut pas être naïf. Il y a des États autoritaires qui mènent des opérations de déstabilisation. Voilà. Et pour cela, il faut encore plus renforcer la coopération entre nous, Européens, entre l'Europe et l'Amérique, pour faire face à ce défi. Il faut plus d'outils pour relever ce défi. Juste ajouter un petit mot sur la menace nucléaire. Je suis d'accord avec mes collègues. C'est la méthode russe, toujours menacer. Je pense que c'était aussi menacé pour la Finlande, pour la Suède, aussi pour l'adhésion à l'OTAN, qui ça sera la conséquence grave. Donc pour moi, c'est la même méthode. Mais bien sûr, pour moi, c'est plus important quelles seront les conséquences si Poutine va utiliser la guerre, l'armée nucléaire.
Et pour moi, je pense que, bien sûr, comme je dis, c'est très difficile de comprendre peut-être la rationalité de Poutine dans la manière rationnelle, mais quand même, pour lui, c'est très important d'être le seul pour avoir les alliés. Et donc, c'est la raison pour laquelle il travaille beaucoup avec la Chine, avec l'Iran, avec la Corée du Nord et les autres pays. Donc, pour moi, si l'utilisation de l'arme nucléaire, ça sera isolement total. Ça sera trop pour la Chine, ça sera trop pour l'Iran, pour vraiment passer cette ligne rouge. Et c'est dans cette mentalité Poutine, je pense que cet argument reste toujours très important. Alors, je voudrais que vous réagissiez aux élections américaines et à l'inquiétude que ça nous procure. Ici en France, j'ai écouté les commentaires. Sur le fait que Trump menace évidemment de se désengager fortement de l'aide à l'Ukraine. Oui, je voulais repartir de l'autre côté sur le continent asiatique et effectivement l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur de Lettonie, vous a expliqué la position de la Chine par rapport à votre pays. Je voulais connaître un peu la position aussi, l'influence de la Chine sur vous autres pays baltes et les conséquences peut-être que ça peut poser aujourd'hui dans votre pays, notamment sur de gros projets économiques, notamment en Finlande. Avec la route du Nord. Et est-ce que ça peut avoir des conséquences, justement, ce conflit avec la Russie ? Bonsoir, merci pour ces interventions. On a parlé de problématiques qui étaient très macro. Je pensais également, une question me venait à l'esprit par rapport à la société civile, le renforcement de vos protocoles de sécurité à l'heure actuelle et l'adhésion à l'OTAN, notamment de la Suède et de la Finlande. N'avez-vous pas peur que ça contribue à une forme de peur vis-à-vis de la société civile qui voit votre adhésion, votre renforcement dans ces protocoles de sécurité aujourd'hui comme quelque chose de nouveau et auquel les pays nordiques ont particulièrement été attachés depuis de nombreuses années, je pense notamment à la Finlande par rapport à la finlandisation à laquelle la société civile a toujours été très attachée jusqu'à maintenant. Peut-être quelques mots sur la Chine, parce que c'est un important voisin de la Russie. La Chine a été assez... Oui, pas parlé beaucoup parce qu'ils ne veulent pas activement supporter la Russie, mais en même temps, c'est difficile à être à côté de l'Ouest, de l'Europe, des États-Unis. On va voir, mais je crois qu'ils sont totalement contre l'utilisation des armes nucléaires. Ça va déstabiliser la situation globale. Je crois que presque tous les pays européens sont relativement dépendants sur la Chine économiquement, mais c'est assez clair que la croissance économique chinoise va être plus lente dans les périodes de les années prochaines. Et ça va dire que le poids relatif de la Chine d'économie mondiale ne va pas croire et ça va changer un peu de tableau économique mondial que nous avons vu pendant les dernières 30 ans quand Chine a augmenté sa production et son importance économique mondiale chaque année. Mais ça va finir relativement, mais ce ne va
ce ne veut pas dire que Chine n'est pas important, mais le poids relatif ne va continuer son croissance. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les élections américaines, bien entendu, nous respectons les résultats, quoi qu'ils soient, de ces élections. Je suis quand même diplomate. Et nous espérons que les États-Unis garderont le lien transatlantique et continuons à soutenir l'Ukraine. En ce qui concerne la question sur la société civile, dans le cas de la Suède, comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, une majorité de la population est pour une adhésion à l'OTAN. Une très grande majorité dans le Parlement, comme en Finlande, est en faveur d'une adhésion. Et en ce qui concerne notre politique étrangère, je pense pas que quelque chose va changer si on est membre, si on n'est pas membre. Il y a une grande cohérence en ce qui concerne la politique étrangère entre les différents membres de l'OTAN, mais il y a aussi des différences. Et on va garder nos atouts, nos intérêts. Bonsoir, merci pour cette soirée. Je voulais savoir, par rapport aux pays baltiques et scandinaves, est-ce que le talon d'Achille, c'est pas Kaliningrad ? Parce qu'avant, c'était une enclave allemande, enfin historiquement allemande, ça a été donné à la Russie. Et par rapport aux armes nucléaires et tout ça, je trouve que le petit bout de territoire, là, c'est un peu dangereux quoi, pour l'Europe. Et une autre question, je voulais savoir s'il y avait beaucoup d'espions russes dans vos pays. Et je voulais savoir... S'il y a beaucoup de Russes qui vivent dans ces pays chez vous, et avec les relations familiales, comment ça se passe, quoi ? Enfin, je sais pas. Voilà. Je vais juste prolonger sur la question des populations russes, et notamment, en effet, certains pays, enfin, je pense notamment à l'Estonie, à la Lettonie, et peut-être dans une certaine mesure à la Finlande, où il y a des minorités russophones. Qui sont assez importantes et où on a souvent parlé du risque d'une cinquième colonne, etc. Je pense qu'apparemment ça ne se vérifie pas, mais est-ce qu'il y a une inquiétude de ce côté-là? Et c'est évidemment lié aussi avec la présence des espions, cette question sur y a-t-il une activité particulière de la Russie dans vos pays? Je peux commencer à propos des présences des espions russes, vous pourriez consulter un rapport annuel des services secrets estoniens qui on peut trouver sur l'internet, qui est très qui est plus ouvert que notre service secret. on peut dire vraiment. C'est un document très intéressant. Ils ont mis vraiment, franchement, beaucoup de l'information. Notre service secret est un peu plus discret, mais je peux dire que la situation est plus ou moins la même chez nous que chez les Estoniens. Je ne peux pas donner un chiffre exact. Probablement, M. Poutine, il ne sache quand même combien il y a des agents. Mais autrement... oui, la minorité russe, russophone, qui à mon avis est un peu mal définie, parce que quand on parle de russes russophones, il y a des Ukrainiens, des Belarusses, des Tartares, les Polonais, oui, et les autres, les Juifs. C'est très hétérogène.
il n'y a pas de vraiment une société consolidée, ni en Lettonie, ni en Estonie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont vraiment les fans de Poutine, pour les raisons très différentes. Il y a des gens qui sont vraiment un peu nostalgiques, surtout les personnes âgées qui sont nostalgiques pour l'Union soviétique, parce qu'à l'époque, le ciel était plus bleu, l'herbe était plus verte qu'aujourd'hui. Et oui, les filles sont plus belles. C'est-à-dire, oui, c'est une nostalgie, c'est un mélange de nostalgie basé sur les perceptions politiques ou idéologiques, et plutôt c'est une question des générations. C'est plutôt un conflit des générations. Parmi de personnes plus jeunes, ils sont, à mon avis, très bien intégrés dans notre société. Ils sont devenus vrais citoyens européens, on peut dire un peu cosmopolites, prêts de vraiment s'engager dans les échanges culturels, économiques et les autres avec tout le monde. À mon avis, c'est un peu exagéré. Bien sûr, il y a quelques éléments, même on peut dire radicaux, même chez nous, mais c'est quelque chose qu'on peut facilement gérer. Oui, bien sûr, mon collègue a dit, cette minorité russe, c'est pas un groupe homogène. Mais globalement, on peut dire que les avantages de vie au sein de l'Union européenne, toutes nos libertés démocratiques, avantages économiques, en général le niveau de vie en Estonie, c'est tout. Et même si Lettonie, Lituanie, tout ça font les Russes de comprendre qu'il n'y a pas aucun envie de revenir au sein de la Russie. Excusez-moi, j'ai une dernière question, en fait. Je voulais savoir, parce que Poutine, il dit la décadence de l'Occident. Enfin, en fait, il nous dit ce que vous faites chez vous, chez nous, en France ou en Europe, c'est nul. Pourquoi vous, dans les pays baltes, vous informez pas les Russes comment on fonctionne pour que l'opinion russe se retourne contre Poutine? Parce que Poutine, il envoie des mauvaises informations. Pourquoi vous donnez pas des informations, comme vous êtes à côté, pour dire l'Occident, voilà ce que c'est l'Occident. On n'est pas des mécréants, on n'est pas des méchants, on n'est pas des... voilà quoi. Et comme vous êtes à côté, avec les réseaux sociaux, la puissance de l'information, utilisez les réseaux sociaux, quoi. Enfin, je sais pas. TikTok, je sais pas, Twitter, TikTok, et tout comme ça, quoi. Pour les jeunes, quoi. Pour les jeunes, pour que les Russes se réveillent. Parce que je comprends pas pourquoi un homme, comme à l'époque de l'Allemagne avec Hitler, pourquoi un homme peut manipuler 200 millions d'habitants. Il y a peut-être des rebelles, des révolutionnaires, il y a peut-être des gens, des philosophes, des historiens qui peuvent se réveiller. Je ne sais pas. Je sais que la censure, dans les guerres, c'est dramatique, c'est grave. On l'a vécu avec la Seconde Guerre mondiale, ou la première. Mais je ne comprends pas pourquoi vos pays, vous êtes à côté, faire des choses comme ça, quoi. Demander aux résistants de mettre des petits mots et puis de transmettre aux Russes. Merci. grand-mère, t'es résistante. Voilà. Merci beaucoup pour très bonne suggestion. Donc, c'est une liste de choses à faire pour nous. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est un point très important et je pense que, bien sûr, le succès des pays baltes, c'est une menace aussi pour le régime de Poutine.
pour la société russe, parce que nous avons donné cet exemple que c'est possible de faire un grand succès économiquement dans tous les domaines grâce à l'indépendance, grâce à l'Union européenne, grâce aux valeurs communes. Et il n'y a aucune décadence chez nous. Mais bien sûr, je comprends très bien aussi le régime de Poutine. Comme je dis, j'ai habité 12 ans dans l'Union soviétique. Donc, je ne voudrais pas jamais revenir sur ce régime non démocratique et totalitarien, parce que c'est le régime avec la pression. Il y a beaucoup de gens qui s'adaptent parce qu'il n'y a pas aucun espoir, il n'y a aucune possibilité pour changer le régime rapidement, pour faire les changements, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle les gens pensent dans la même manière que Poutine dit, parce que c'est plus facile psychologiquement pour prendre la vérité de Poutine que d'être contre, parce que quelles sont les alternatives? Tu peux être emprisonné, tu peux être assassiné, comme plusieurs des opposants de Poutine, poisonné, etc., etc. Donc, il faut comprendre qu'il y a cette logique des sociétés pour s'adapter. C'est plus facile. Merci beaucoup. Je pense qu'on va devoir s'arrêter par rapport à l'heure. Merci beaucoup, Excellence, pour vos interventions extrêmement stimulantes. Et merci à vous.